Salut, c'est Flaubert et bienvenue dans ce sixième numéro du Golden Short. Un Golden Short un petit peu particulier car toute l'équipe est partie au Festival de Cannes. Toute l'équipe, sauf moi. Mais en fait, c'est trop cool! Allô, c'est Monsieur Poulpe. Tu te prends pour qui, petit con? Pardon. Non, mais on reparlera de ton comportement avec Davy, Poulpe et François, hein. Non, vas-y, ils vont m'engueuler et non, tout. Non, 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 tu me déçois, Florent Bernard. Flaubert. Ta gueule! À ce compte-là, t'es privé d'émission, hein. Oh non, vas-y! Non! Mais attends, c'est bon. Non, de toute façon, cette semaine dans le Golden Short, une émission spéciale péniche. Et non pas pénis. Comme vous le savez, tous les sketchs sont diffusés en live sur une péniche, la péniche Antipode. Comment se passe le déroulement d'une émission? C'est en images et c'est maintenant. Le Golden Show, à la base, c'était des sketchs. On avait l'idée de faire une émission à sketch. Et François Descraques a une marotte. C'est qu'il aime bien la scène. Et il nous a dit, moi je pense que pour rythmer tout ça, ça serait bien de faire quelque chose sur scène. Alors là, on est en train de régler le vidéo proche, comme à chaque fois. Vidéo proche prêtée par ma maman. Voilà pourquoi elle est toujours au générique du Golden Show. L'idée, c'était de faire ça sur scène. Donc on a eu la chance d'accéder à la péniche Antipode, qui est une petite péniche, mais qui remplit bien voilà, 100 personnes, c'est parfait pour nous. Et ça nous permet aussi voilà, de se confronter au public, en fait. C'est clair que c'est pas forcément ce qu'on maîtrise le plus. Moi, pourtant, j'avais fait un spectacle à Lyon il y a très longtemps. Fais le spectacle de Madame Martin. Allez. Ah, Madame Martin, on n'a pas le droit de... Ok. Là non plus, c'est... Vous passez pas la seconde. En fouillant bien, vous pouvez retrouver ce sketch. Même peut-être un sketch que j'ai fait avec Monsieur Poulpe il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, je peux détruire un train d'une main nue, tu vois, mais je peux pas masturber un homme et c'est quelque chose que j'aurais tellement voulu faire une fois dans ma vie. Je sais pas. Et donc aussi, c'est vrai que moi j'ai surtout fait de la vidéo, voilà, mais j'ai toujours voulu faire un peu de scène. J'avais même écrit une pièce de théâtre à un moment, j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et là, voilà, quoi, on a l'opportunité de faire du spectacle. Mais voilà, quoi, donc c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment faire un truc différent qu'on n'a jamais fait. Et qu'on essaie de maîtriser au fur et à mesure. Bon, la scène, on n'a pas trop l'habitude, et c'est vrai que s'y frotter, c'est plutôt pas mal. Puis à force de se frotter, au bout d'un moment, on est content normalement. Bon, ça va, il y en a qui ont le temps d'être assis, je vois. C'est une technique pour les booster, pour qu'ils travaillent. Pour les dédicaces de la semaine, le merdeux qui sent la sueur avait imposé le mot Cannes. Et c'est la vite, avec une dédicace à Emir Kusturica qui a gagné. Le Serbe à Cannes. naze, alors là... Retrouvez le Golden Show vendredi prochain sur YouTube et lundi 4 juin sur No Life. Pour les dédicaces de la semaine, rendez-vous sur le Facebook de l'émission et seulement sur le Facebook de l'émission. D'ailleurs, le mot imposé pour les dédicaces, c'est le mot gynécologue. Bisous.